t'expliquer, non, qui réforme il voulait faire, qui t'a fait mon lever comme ça dans l'époque. Là, je me suis dit, il y a une belle grosse manifestation, presque même deux ou trois jours, il y a une manifestation dans la rue de paix. DGI gagne deux façons de taxer les contribuables. Gagne un régime normal, gagne un régime normal, gagne un régime simplifié. Régime simplifié, yo fixé yon montant. Maintenant, pour maintenant parce que yo faut passer maintenant texte loi depuis budget 2016-2017 là, yo passé à 1 million 2 millions supérieur ou égal à 2 500 000 gouttes. Immédiatement, yon contribuable gagne yon chiffre d'affaires qui est supérieur ou égal chiffre d'affaires li ou bien actif li. Qui te m'explique ça bien pour moun yo comprendre, pour tout moun comprendre li. Chiffre d'affaires, c'est vente ou pour une année. Immédiatement, ou ka vente pour une année pour 2 500 000 goud, yo pap kito dans régime simplifié, yo ap vo dans régime normal, ou ap gen yon document pour préparer, yo relem état financier, que c'est yon comptable agréé pour préparer le pour. À l'époque, mon kwè chiffre ça a été 1 500 000 goud. Yo te dit que tout moun ki gon chiffre d'affaires qui est supérieur ou égal à 1 500 000 goud, il y a plutôt ou pas dans régime normal. Mais second chiffre d'affaires qui est inférieur à 1 500 000 goud, il y a plutôt dans régime simplifié. Dès lors, en pile entreprise pour des paix, tu as un chiffre d'affaires qui supérieur ou égal à 1 500 000 goud, yo te continue quitter yo nan régime simplifié. Le directeur Prince vini en 2004, directeur Prince vini et puis directeur Prince révisé tout ça, il mandé yon nombre d'entreprises pour que yo sorti nan régime simplifié, pour que yo passe nan régime normal. Et passe nan régime normal là à l'époque pas gain comptable agréé dans les départements du Nord-Ouest. Non, il porte ça. À l'époque. C'est Port-au-Prince obligé à chercher un comptable, soit pour payer des déplacements pour les pivines d'entreprise à venir travailler pour eux, et puis la continuer de travailler dans le cabinet de Port-au-Prince. C'est ça qui a fait que tout un nombre d'entreprises a levé contre le directeur Prince. Il a dit non, il n'y a pas d'habitude à bagarre ça, c'est dans le régime simplifié pour toujours été, il n'y a pas passer dans le régime normal. Laisse ça soulever en pile mécontentement. Et puis, directeur général d'Alloa, directeur Frank Richard, l'irrelé directeur Prince. Et puis, directeur Prince allait avec tout dossier, yo, preuve à l'appui, il montrait directeur Richard, mais dans le croisement d'informations, mais quand même, jeune monde ça avant. Et telle entreprise pour 1 million de goud, pour 500 000 goud, pour 3 millions de goud, on ne s'en va quitter dans un régime simplifié. Et directeur Franz Richard, te bail directeur Prince plein pouvoir pour le continuer à faire travail, il t'a fait, il n'y a pas de transférer directeur Prince pour être ça.